Les grands titres du compositeur Mauricio Kagel, maître du théâtre instrumental, résonneront dans quelques minutes à la cité modèle de Laeken. Marine Guillet, vous êtes sur place et ce concert organisé dans le cadre du festival Ars Musica est en fait un concert très rare. Et oui, rare Katharina, parce que vous l'avez dit, il a été écrit par Mauricio Kagel en 1971, mais ce qui fait sa rareté, c'est surtout les instruments qui sont nécessaires pour réaliser cette pièce musicale. Ces instruments sont exotiques et ça va être vraiment le défi des musiciens que vous voyez derrière moi. Ils sont en train de s'entraîner, des musiciens européens qui ne sont absolument pas habitués à ces instruments exotiques, et j'en ai relevé trois pour vous que je ne connaissais pas non plus. Je n'ai pas pu les prendre avec moi malheureusement, mais je vais quand même vous les citer. La cachachi, ce sont des grosses maracas comme on peut en connaître. La calabasse, vous connaissez peut-être aussi, c'est une coque de fruits sur laquelle on tape, ça résonne dans l'eau et c'est ça qui rend la mélodie. Et enfin, l'ocarina, qui est une flûte en terre cuite. Ce sont ces instruments qui vont être utilisés ce soir et nous avons pu réaliser deux interviews pour vous expliquer ce que le public pourra entendre ce soir avec Fabian Fiorini, pianiste, et François Depp, il est chef d'orchestre. Ce soir à la Maison Culture, la Cité Culture, nous allons présenter une version très spéciale d'Exotica. Donc Exotica, c'est une pièce qui se joue avec des instruments extra-européens qu'on réutilise un peu d'une nouvelle manière grâce à l'écriture de Kagel. C'est un compositeur extrêmement sérieux et extrêmement fantaisiste. C'est un Argentin qui a émigré en Allemagne dans les années 60, qui est tombé sur la grande activité de ce moment-là à Cologne et qui s'est dit un jour, à propos de cette pièce-ci, on vit dans une sorte de forteresse où on ignore la musique du monde qui nous parvient tous les jours et donc je vais ouvrir les portes, c'est lui. Et c'est ça que vous allez faire ce soir. Exactement. Vous l'entendez peut-être derrière moi, les musiciens sont en train de s'entraîner, ils font des vocalises. C'est le moment où les musiciens se regroupent, se rassemblent, concentrent leur énergie avant que le public puisse entrer dans la salle. Le public est d'ailleurs en train d'attendre. On leur souhaite bien entendu un très bon spectacle. Marine, pour ces précisions en direct, on leur souhaite nous aussi un très bon spectacle et une belle soirée.